En France, Fabien Roussel marque le retour du Parti communiste français à l'élection présidentielle. Le PCF, qui avait été absent en tant que parti lors des deux derniers scrutins où les militants avaient soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pour 2022, ils ont placé leurs espoirs en ce député du Nord de 52 ans qui entend incarner le renouveau d'un parti centenaire. Ses priorités pour les Français, le pouvoir d'achat, la jeunesse et la justice sociale. Il propose notamment la mise en place d'un revenu pour tous les étudiants ou encore de taxer les plus riches via l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, nous rétablirons l'ISF et on le triplera même. Oui, oui, on rétablira la justice. La justice fiscale, en rendant l'impôt plus juste, plus progressif, plus léger pour les petits et plus lourd pour les plus gros. Avec nous, les petits paieront petits et les gros paieront gros. À un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle, des soupçons d'emploi fictifs viennent toutefois de faire de l'ombre à sa campagne. Fabien Roussel est accusé par Mediapart d'avoir occupé un poste fantôme d'assistant parlementaire entre 2009 et 2014. Des accusations qu'il dément et qui visent selon lui à freiner son ascension. Les sondages lui accordent près de 5% d'intention de vote.